Éric Charbonnier, une question assez simple. En quoi la formation professionnelle est-elle cruciale ? Pour aujourd'hui, avoir une formation, avoir un diplôme déjà, c'est crucial. Surtout en France où on voit quand on est un jeune sans qualification, un jeune sur quatre sans qualification est au chômage. C'est beaucoup plus que la moyenne des pays de l'OCDE. Donc il faut avoir un diplôme. Et dans cette course au diplôme, les filières professionnelles sont utiles parce qu'il y a un véritable besoin sur le marché du travail. Et quand on a une formation professionnelle de qualité, ben, fatalement, on arrive à s'insérer plus facilement sur le marché de travail. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui en France. C'est pour ça qu'il y a un intérêt à faire une réforme profonde de la formation professionnelle pour la valoriser et pour améliorer ses débouchés sur le marché. Par où on démarre du coup ? Parce qu'on a l'impression qu'on a tendance à légiférer régulièrement, mais finalement... Je crois que le démarrage, c'est vraiment d'avoir une lutte active contre l'échec scolaire. Aujourd'hui, souvent, si on caricature, les filières professionnelles sont un peu comme une voie de garage. On se retrouve en échec scolaire au collège et on va être orienté au lycée vers les filières professionnelles. Il faut donc agir sur l'échec scolaire, faire que le système français soit moins inégalitaire et que les jeunes maîtrise davantage les fondamentaux. Ça semble être la première des priorités. Une fois qu'on a achevé ce point, il faut aussi avoir une réflexion sur les formateurs. Aujourd'hui, les formateurs n'ont pas accès à la formation du continu. Ils ne viennent pas du monde de l'entreprise. On voit bien qu'en Allemagne, en Suisse, en Autriche, le monde de l'entreprise est très présent dans les filières professionnelles. Donc ça, c'est un atout supplémentaire. Enfin, il faut améliorer les débouchés. Il faut vraiment que l'entreprise se rapproche du monde de l'éducation pour tirer dans le même sens et pour faire en sorte qu'on ait des filières du professionnel qui soient adaptées aux besoins du marché du travail, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Un mot sur ces entretiens enseignants-entreprises ici à Polytechnique. Un dialogue entreprise et enseignant, pour vous évidemment, c'est une évidence. Bah oui, c'est une évidence. C'est le moyen de rapprocher enfin ces deux mondes qui sont tellement séparés aujourd'hui, cloisonnés. On a besoin du monde de l'entreprise dans le monde de l'éducation. Et puis l'éducation a besoin des conseils de l'entreprise pour permettre justement aux filières, et notamment les filières professionnelles, de s'adapter et d'adapter leur cursus aux évolutions de la société. Aujourd'hui, grâce à ces entretiens, on a des tables rondes qui mélangent des acteurs de l'éducation comme moi, des acteurs de l'entreprise, et ça permet justement d'avoir des avancées pour permettre, notamment sur le sujet du professionnel, de prendre en exemple des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, le Luxembourg. Ils sont nombreux à avoir des filières professionnelles de qualité. Il faut vraiment que la France s'y mette, parce que c'est avec des filières professionnelles de qualité qu'on améliorera la croissance économique. Merci beaucoup, Éric Charbonnier. Merci.